Le 7 juin dernier, une icône du 7e art gabonais tirait sa révérence. Philippe Maury, ou plutôt Tonton Fifi, comme on aimait à l'appeler, aura près de 60 ans durant à lui seul symbolisé le cinéma gabonais. Il en était le porte-étendard, la figure de proue, le pionnier, en un mot, il en était le père. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'invité de Gabon Télévision qui s'attelle ce soir à sa manière à rendre un hommage des plus mérités à l'illustre disparu à travers un entretien avec un homme qu'il a côtoyé pendant plusieurs années et qui a eu la chance de s'attacher les services de ce grand comédien dans certaines de ses productions cinématographiques. Il s'agit d'Henri-Joseph Koumba Abididi, réalisateur, figure du cinéma gabonais. Henri-Joseph Koumba, bonsoir. Bonsoir, Steve. Je vous propose, avant de démarrer notre entretien, de regarder cet extrait. Où est le candidat? Il est parti. Comment ça? Parti? As-tu oublié nos usages? Écoute, l'ancien, il est parti, nous aussi on s'en va. Il recevra son cadeau à Libreville, c'est tout aussi bien. Soit, n'oublie pas, il nous faut parler de King. Et pour tout vous dire, je supporte pas ce pays. Parce que tout est poisseux, l'air qu'on respire, les gens qu'on touche. Et franchement, je comprends pas pourquoi vous vous acharnez à vouloir pousser ce vieil obsédé sexuel sur l'estrade. Parce que ce type et sa fille, ce sont des malades. Tu juges trop vite. En une quinzaine d'années, la ville a quadruplé sa population. Environ 47 ethnies se côtoient, mais le fait tribal est encore omniprésent. Dans ce décor-là, et à l'image du pays, à l'évidence possède un immense avantage. Il appartient à un clan minoritaire dans Idongo. Il est dans son intérêt de préserver la paix. Ah mais je veux bien, moi. Mais votre candidat déséquilibre. Il est trop mal barré cette fois-ci pour vous rendre service. Alors, c'était là un extrait de votre long métrage intitulé « Les couilles de l'éléphant », un film dans lequel Philippe Maury a tenu un rôle. Henri-Joseph Koumba, vous l'avez longtemps côtoyé, c'était pratiquement un père pour vous. Que représentait-il? Que représentait-il réellement pour vous, ce personnage? Vous l'avez dit, c'était un père pour nous, pour nous tous. Je pense toute la génération de cinéastes que je représente et des plus jeunes encore, Tonton Fifi reste un père spirituel. Mais je voudrais dire d'entrée de jeu d'abord que nous ne voulons pas nous accaparer de la douleur de la disparition de Tonton Fifi. Il a une disparition famille qui, on l'imagine, vous affecte profondément. Profondément, mais il a une famille qui souffre tout autant. Disons que c'est un homme qui a une vie publique et effectivement, nos interventions qui l'avons côtoyé sont effectivement nécessaires sans que pour autant nous ne cherchions à être plus affligé que sa propre famille. Et donc, dans ce contexte-là, si aujourd'hui Philippe Maury est disparu, la place qu'il a occupée, d'abord parce que c'est l'un des premiers comédiens et cinéastes africains, il faut le dire, parce que dans les années 60, Tonton Fifi est dans la vingtaine et il joue déjà dans des films en Europe, des rôles principaux. C'est notamment le cas du film « On n'enterre pas le dimanche ». Donc à côté de ça, quand il rentre dans son pays, il constate le désert qu'il y a et il œuvre pour mettre en place. Et justement, vous en parliez tantôt, Philippe Maury commence sa carrière en France dans les années 50. Il est d'ailleurs le premier Africain à tenir un rôle principal dans un long métrage. Il était pourtant promis à un bel avenir dans le 7e art hexagonal, mais il choisit de rentrer au Gabon. Pourquoi ?
Non, mais comme j'étais en train de le dire, je pense déjà patriotisme, et je pense que quelque part dans le prix de la liberté, comment dirais-je, chercheur Franck Idiata, pour ne pas le citer, montre bien cet aspect du patriotisme de Philippe Maury, qui choisit de rentrer chez lui parce que l'Afrique est à construire et que c'est dans tous les domaines que l'Afrique doit se développer. Donc c'est un choix de patriote de venir faire en sorte, d'ailleurs il nous le disait tout le temps, il nous disait, les enfants, je vous ai amené le cinéma. Donc c'était bien son intention de faire en sorte qu'il y ait une activité cinématographique au Gabon, en Afrique de façon générale. Et au cours de... Et c'est pour ça que, un peu après, il œuvre pour la création du Centre national du cinéma. D'accord. Et au cours de vos multiples échanges, surtout au soir de sa vie, vous avez-il donné le sentiment de regretter d'être rentré au Gabon? Non, non, pas du tout. Je pense que, vous savez, tonton Fifi est mort à 86 ans. Le 28 août prochain, il aurait eu 87 ans. Et depuis le temps que je le connais, et beaucoup de gens vont le dire, c'est quelqu'un qui a gardé toute sa lucidité et son âme d'enfant. Parce que, là, d'ailleurs, même si nous devons parler de sa fin tragique, elle est en cohérence avec l'homme qui n'a jamais été atteint de ce qu'on pourrait appeler une certaine sénilité. C'est quelqu'un qui a gardé son âme, qui n'était pas attaché au matériel. C'est quelqu'un qui vivait sa vie et qui a gardé toute son intelligence. Vous pouviez tenir une discussion philosophique avec tonton Fifi à la veille de son décès, sans que quelque part vous ne sentiez qu'il y a une fissure dans son raisonnement, dans sa logique et dans sa vision du monde. De ce point de vue-là, c'est quelqu'un qui est resté entier. L'œuvre de Philippe Maury montre bien que le personnage avait plusieurs casquettes. Il est à la fois comédien et réalisateur. C'est quand même un exploit. Concilier les deux, on l'imagine, hein, est quand même chose assez difficile. Il a réussi cet exploit. Quel était son secret? Ben, son secret, c'est que d'abord, il faut savoir qu'il a une formation des plus complètes qu'il a terminée à l'IDEC. À l'IDEC, en France, l'Institut des hautes études cinématographiques, qui est aujourd'hui la FEMIS. Donc, il avait une formation aussi bien en tant que comédien qu'en tant que réalisateur. Et effectivement, devant le vide, quand il est arrivé par un film, La Cage, qu'il a coécrit avec Robert Darren, et il s'est mis en position de comédien. Et une fois qu'il est revenu, et que, bon, mettons de côté l'épisode de 64, quand il sort de là, il revient au cinéma. Le cinéma à l'époque, c'est la télévision. Les films qui sont produits par Pierre Marindon, par Charles Mensah, par Simon Auger, mais par le biais des moyens de la télévision. Je ne cite que cela. Et donc, en 71, devant cette situation-là, ben, il décide de se lancer avec de l'argent. Il s'est endetté à la BICIC. C'est une histoire connue de ce qui, pour faire les tam-tams se sont tus. Et là, il retrouve ses réflexes de réalisateur. Et voilà, donc, par la suite, se rendant compte. Aujourd'hui, quand vous discutez partout ailleurs où le cinéma est organisé, il est en général entre les mains du privé. L'État encadre, trouve des formules pour subventionner, pour aider, pour accompagner le privé. Mais tonton Fifi, dans la situation du Gabon en 1975, voit très bien que le privé
ne peut pas. Si le privé qui peut est un privé un peu particulier, parce qu'il y a un président de la République qui aime le cinéma, qui veut voir des images et qui les fait faire par ses propres moyens. Bon, mais pour Tonton Fifi, ça ne suffit pas. Il bataille auprès du président pour dire qu'il faut qu'il y ait un centre national du cinéma. Et que ce centre national du cinéma soit à même d'impulser une production nationale. Il a gagné ce combat parce qu'après avoir créé le centre en 1975, il a eu les premiers budgets en 1981. Et c'est comme ça que petit à petit, les choses se sont mises en route. Les films les plus connus qui ont bénéficié de ce souffle-là, c'est notamment Le Singe Fou en 85, Raffia en 86. Philippe Maury. Ensuite, tout le reste qui a suivi. Voilà. Philippe Maury, c'était un certain tempérament, un certain caractère, un certain franc-parler. Alors, vous qui avez eu la chance de l'avoir sur vos tournages, est-ce que c'était un personnage difficile à gérer sur un plateau? Non, c'était un personnage. Je ne dirais pas qu'il était difficile à gérer parce qu'à côté de ça, il faut dire que Tonton Fifi était d'une grande humilité et qui savait, c'est parce qu'il connaissait le métier, il savait quel était le rôle de chacun dans une équipe. Quand il est avec vous en tant que comédien, il reste le comédien, il est disponible, il vous demande ce que vous voulez qu'il fasse. Lorsque c'est nécessaire, il vous fait remarquer quand même que bon, là, ça n'est pas très cohérent, est-ce qu'il ne faut pas faire autrement? C'était aussi une force de proposition. Et d'ailleurs, vous savez, dans la création, quand vous avez sur un plateau, vous avez énormément de créateurs entre les décors, entre les costumes, entre les acteurs. C'est ce qui fait la force du film, c'est ce que tout le monde apporte. Et ce n'est jamais bon quand il n'y a qu'une seule voix, parce que parfois, chacun mène une part de création qui donne de la dimension au film. Et Tonton Fifi, sur un plateau, c'était du sucre. Parce que vraiment, non, il n'était pas difficile à gérer sur un plateau. Et en plus de ça, je peux vous dire que même sur des détails comme les pauses café, des choses comme ça, des fois, c'était des petits détails. Ce qui lui importait, c'était ce qui était en train de se faire à ce moment-là. Philippe Maury, c'est aussi le premier Africain à avoir emmené un film à Cannes, au Festival de Cannes. Il fait également partie des créateurs du FESPACO, Festival du cinéma africain en 1969. Est-ce que vous pensez que l'Afrique et son pays, le Gabon singulièrement, le lui ont bien rendu? Est-ce que la reconnaissance au soir de sa vie a été à la hauteur de l'œuvre du personnage? C'est une question très dense. C'est tout un programme. Mais je pense que Tonton Fifi a marqué, laissons le cinéma national, parce que c'est clair, c'est net, mais sur le plan international, je pense que Tonton Fifi a, d'ailleurs vous voyez les images qui sont là, c'est un hommage qui lui est rendu à Amiens, et je crois en 2010, pour l'ensemble de sa carrière. Donc ce n'est pas rien. Il lui a été également rendu un hommage en 2013, si ma mémoire est bonne, à Yaoundé, aux écrans noirs, pour l'ensemble de sa carrière. Et vous savez, si vous allez sur le net, vous verrez que Philippe Maury est connu de par le monde. Et je pense que maintenant, si derrière vous voulez voir un autre aspect, bon, ça ce sont des choses, je vous ai dit tantôt, Tonton Fifi était quelqu'un qui n'était pas attaché au matériel. C'est quelqu'un qui a vécu sa vie presque avec austérité. Et c'était parfois un plaisir de passer la journée avec lui. Parce qu'on ne parlait rien d'autre que parfois des idées.
Et c'est après qu'on se rendait compte que, mais au fait, il est midi, il faut peut-être qu'on pense à aller manger. Parce que, ah oui, bon fils, ben oui, c'est vrai. Hein. Et puis, on se prend une petite bouteille de vin, et puis voilà. C'est pas. Et parlons un peu de la filmographie de l'homme. Donc, combien de films au total aura-t-il tourné? On connaît Tonton Fifi dans des réalisations locales, des productions locales, mais on sait également qu'il a tourné dans des films à l'étranger. Parlons-en. Oui, mais disons qu'il a commencé sa carrière à l'étranger. Il a fait d'abord de la figuration dans les films comme Ali Baba et les 40 voleurs, Les fils aiment le vent. Il a côtoyé des gens comme Belmondo dans les années 60. Je vous signale au moment où ils sont tous en train de monter. Et le premier rôle principal d'un acteur noir africain, c'est effectivement, comme je l'ai dit tantôt, on n'enterre pas le dimanche. Et puis, il rentre au Gabon. Disons qu'on peut compter entre 15 et 20 films dans l'ensemble en tant que comédien et en tant que réalisateur. Bon, en tant que réalisateur, on parlera beaucoup plus de Tam Tam, se sont tus. Qui sont d'ailleurs tout un programme. Je pense que La Cage, il faut revenir un peu sur La Cage, parce que ce film, bon, c'est vrai qu'il se situe beaucoup plus comme comédien, mais il est co-scénariste. Et parfois, il faut prendre une phrase quelque part qui montre un peu tout le personnage qu'est Philippe Maury, et parce que vous retrouvez un peu cet esprit dans Les Tam Tam se sont tus. C'est quoi l'histoire de La Cage? C'est un jeune médecin qui rentre dans son pays et qui est imbu de toute cette science qu'il est allé apprendre, et qui trouve un vieux. Mais lui, il est blanc, lui. Il est européen, caucasien, qui lui vit là et qui lui dit, mais jeune homme, tout ce que tu es allé apprendre là-bas, dont tu es fier, mais tu l'as ici. Et quand vous posez la question de savoir pourquoi revient-il, la réponse, elle est là. Tout ce savoir que tu vas chercher là-bas, tu l'as ici. Et quand on regarde Les Tam Tam se sont tus, quel est le questionnement des Tam Tam se sont tus? Dans les mutations en cours, l'Afrique est en train d'évoluer, les hommes sont en train d'évoluer vers une civilisation occidentale. Mais que gardons-nous de nous? La question de l'identité africaine. L'identité, notre identité. Donc, Tonton Fifi, qui en plus, si on mélange au fait que c'est un métis, il est entre noir et blanc, donc c'est un homme de questionnements. Et peut-être que c'est toute cette histoire qui fait qu'il est toujours, même jusqu'à ces derniers jours, c'est quelqu'un qui était toujours en questionnement. Henri-Joseph Koumba, partir sans avoir achevé un projet, c'est parfois la marque des grands hommes, des grands esprits. Tonton Fifi, au moment où il s'en va, était-il engagé dans un tournage? Pas encore, mais en pourparler avec un de ses congénères, un de ses amis, Taïeb Blouchi, qui est un réalisateur tunisien, Les Damnés de la Terre, pour ne citer que ce film, et qui s'apprête à faire un film pour lequel il nous a sollicité pour entrer en contact avec Tonton Fifi. Il devait jouer un rôle de médecin, quelque chose comme ça. Mais pour ce qui est de son œuvre personnelle, je crois qu'il avait décroché ces derniers temps de la réalisation. Et d'ailleurs, il nous disait, les enfants, bon, moi maintenant, je ne réalise plus. Faites-moi tourner, profitez de moi parce que, bon, vous savez... À 80 ans, tout peut m'arriver. Et c'est souvent des discussions, on s'amusait de ce genre de discours-là. On lui disait, oh, tu sais, pour l'instant, laisse tomber, tant qu'il y a des films à faire, ne pense pas à la mort. Donc, Et justement, vous l'avez à maintes reprises invité dans certains de vos films. Quel est dans vos rapports au quotidien le fait? Non, c'est vraiment... Qui vous aura le plus marqué chez le personnage? Ça, il y a beaucoup, beaucoup de choses, mais je le redis parce que cet épisode est assez particulier.
Nous étions en train de tourner à Paris, sur le collier du Makoko. Et franchement, hasard du calendrier, nous tournons une séquence dans une roulotte, un 16 février, dans la nuit, dans le froid. Et un moment, j'ai senti, pendant le tournage seulement, qu'il se passait quelque chose en lui. Et c'est à la fin, en sortant, qu'il me dit, mais fils, je ne sais pas ce que tu viens de me faire là. Et bien, c'est l'une des rares fois d'ailleurs où j'ai parlé de lui longuement, de l'épisode du coup d'État manqué de 1964, parce que c'est un épisode de sa vie que tout le monde connaît. Il me dit, mais tu viens de me faire dire des choses, et c'était un 16 février que ça s'est passé, et quelque part je suis un peu ému. Ah, j'ai dit, je m'excuse tonton Fifi, je ne voulais pas du tout te faire ça. Puis on est allé prendre un café, passer quelques moments ensemble. Parfois c'était dans le silence et après on est allé chacun se coucher. C'était un moment qui m'a marqué effectivement. Et c'est sur cette belle anecdote empreinte d'émotion que se referme ce numéro spécial de l'invité de Gabon Télévision dédié à Philippe Maury, le père du cinéma gabonais, disparu le 7 juin dernier à Libreville. Henri-Joseph Koumba, nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Merci, je pense que tonton Fifi méritait bien un hommage, mais je pense qu'il y a d'autres voix qui vont également se plier à cet exercice parce que il reste d'abord et d'abord le père du cinéma gabonais. Merci. Merci à vous également qui nous avez suivis et à très vite sur les antennes de Gabon Télévision. J'ai remarqué tout à l'heure que tu me regardais fixement dans les yeux pendant que je parlais. Mais mon oncle, c'était pour mieux comprendre ce que tu me disais. On ne regarde jamais son Dieu en face. C'est mon père qui m'avait dit ça. C'est dans nos traditions. Il est vrai que nous n'avons pas les livres pour vous apprendre les traditions, parce que pour vous autres, ce qui est vrai, c'est ce qui s'apprend dans les livres. Erreur! Erreur de la jeunesse, de l'imitation, des animaux dressés. Mais vous étiez tous bien contents de nous envoyer dans les écoles des Blancs. Vous étiez tous bien contents de nous savoir bons élèves. Vous étiez tous bien contents d'apprendre que votre fils a été le premier de sa classe. Oui, mais tu le sais bien. Nous étions en notre temps. Nous étions moins informés que vous. Et puis, l'école de la vie ne finit jamais, mon enfant. Moi aussi, je me crois plus intelligent que tout le monde. Et je suis persuadé que tout le monde se croit de même. Il n'a jamais prétendu qu'il y avait une autre destination pour la race noire. Comment pourrait-il y en avoir une ? Le noir n'aime pas l'effort. Ce qui compte pour lui, c'est de se voir revivre. Sa propre personnalité s'est évaporée à force de bêtises et d'imitations. Crois-tu qu'il s'en rend compte ? Il ne faut surtout pas que nous nous en rendions compte. Cela risquerait de troubler l'ordre établi. Et l'ordre établi, c'est la loi du plus fort. Oui, c'est vrai. Les tam-tams se sont tus. Et pourtant, même à travers ce silence, il y a encore des bribes. Oui. Des bribes de philosophie nègre. Des bribes de traditions irréversibles que rien ne pourra détacher de notre peau.